les clubs, j'ai tout pété ce matin. Voilà, j'arrive. J'ai répondu à leur vœu en faisant de ce pont un nouveau jardin suspendu, à la différence que cette fois-ci, les arbres sont, à l'image du pont, métalliques en acier, sont des grands arbres en acier découpés qui ont le but de refléter aussi en partie le paysage et de vibrer légèrement. Et entre ces arbres, qui sont des sortes de sculptures en réalité, circulent des sculptures plus traditionnelles, enfin, en bronze, des personnages dont j'ai... qui est plus conforme à ma, si vous voulez, aux sculptures que j'ai fait depuis longtemps, qui sont des personnages dans des positions diverses et qui évoquent en général des mythologies un peu confondues. De pièces sur ce pont, il y a donc 10 grands arbres. Certains sont en acier polymiroir, d'autres en acier peint en noir, afin qu'ils se reflètent les uns dans les autres. Et il y a 8 grandes sculptures en bronze. C'est ça, ouais, 8 grandes sculptures en bronze. Mais ça tremblait, c'est pas juste. Non. C'était quelques bien produits sur 86 km. C'est assez formidable, je suis très très content parce que là je vois mon travail dans un lieu sublime parce que c'est quand même un des endroits les plus beaux de Paris avec deux monuments qui sont extraordinaires, donc pour moi c'est assez émouvant quoi. C'est un peu un challenge, j'étais très angoissé parce que pendant tout le montage de l'exposition je me suis dit ça va... Enfin, peut-être des gens trouveront ça horrible vraisemblablement. Very pastoral.